Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Edouard Ragon, je suis en charge de la partie business Vélocity chez Xerox et je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandra Lachaise qui s'occupe plus particulièrement des partenaires et qui s'occupe du développement marketing chez nous auprès de nos partenaires. Voilà. L'objet de cette conférence, c'est de vous faire découvrir un petit peu les offres que l'on a dédiées effectivement au télétravail, voir comment aujourd'hui on accompagne nos partenaires sur ce secteur de marché plus particulièrement. Voilà. Je te laisse introduire, Alexandra. Absolument. Donc effectivement, bonjour Alexandra Lachaise, en charge effectivement du développement des partenaires. Et on va commencer tout de suite par faire un petit état des lieux aujourd'hui sur l'avenir du travail. Et on va voir comment Xerox peut vous aider dès maintenant par rapport à ce monde du travail qui a été radicalement changé par la pandémie et qui a changé pas mal de choses pour tous. Particuliers ou entreprises. Aujourd'hui, effectivement, nous avons réalisé une enquête auprès de nos clients et prospects à travers le monde et ça nous a permis de récupérer ces informations-là auprès de 600 décideurs IT. En gros, effectivement, ce n'est pas une surprise pour vous, la plupart, les trois quarts des entreprises n'ont absolument pas préparé à une transition rapide vers le travail à distance. Beaucoup à la maison en télétravail sans avoir accès en fait via la technologie ou à récupérer des documents et donc se retrouver un petit peu sans moyens et effectivement c'est bien la technologie qui est ressortie comme étant la plus grande difficulté de la perte de travail à distance pendant le confinement. Alors évidemment il y a la technologie, les outils et l'assistance informatique qui a été aussi un problème principal, quand on est à la maison, l'assistance informatique, c'est un peu plus compliqué quand ce n'est pas prévu à la base. Et évidemment, l'accessibilité, puisque 85% ont indiqué que l'accessibilité, la facilité d'utilisation de leur imprimante leur avait manqué, dans le sens où ils avaient une certaine habitude, que parfois chez eux, ils n'avaient pas d'imprimante, où ils n'avaient pas les applications qui leur permettait de faciliter leur travail comme ils l'avaient au bureau. Et donc, ça, c'est vraiment ressorti pour 85% des répondants. Donc, face à ce constat, il y a aussi l'avenir. Donc, l'avenir, qu'est-ce qui est envisagé pour l'avenir? Évidemment, beaucoup envisagent un mode de travail. Revenir sur le travail est une priorité. On voit bien qu'en ce moment, c'est complexe. Le télétravail est revenu en force, donc on va de plus en plus vers un mode hybride. Et ensuite, la politique de travail à domicile va vraiment changer les choses pour notamment les responsables informatiques. Donc il va être important d'être là pour soutenir le travail à distance en donnant les moyens technologiques et les outils avec un budget qui va être inclus sur justement la mise à disposition d'outils, de technologies, de ressources pour le travail à distance. Beaucoup ont déjà investi dans ce qui est les plateformes collaboratives, évidemment, mais beaucoup d'entreprises restent encore à la recherche d'un vrai fonctionnement de télétravail avec notamment tout ce qui est l'application, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, le travail a changé. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup de parler de l'information, mais aussi beaucoup d'automatisation, d'optimisation des flux de travail, ça c'est très important parce que le processus métier maintenant se fait différemment. Donc, il faut que ça soit aussi facile qu'au bureau et en même temps aussi sécurisé. Et ça c'est une vraie problématique la sécurité aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'attaques de piratage, que ce soit auprès des PME ou auprès des particuliers justement suite à cette pandémie. Donc, ça reste vraiment très important, effectivement, la notion de sécurité. Ah, nous avons eu un souci apparemment avec Alexandra. On va attendre qu'elle revienne en attendant. Donc.
ce qu'elle disait effectivement, c'est que en gros, c'est le constat qu'a fait Xerox aujourd'hui, c'est que le travail a changé. L'idée, c'est aujourd'hui comment Xerox est capable de vous accompagner sur ces parties de transformation, c'est-à-dire tant sur la partie effectivement comment optimiser le flux de travail, la numérisation qui devient aujourd'hui assez prépondérant, les outils collaboratifs qui vont aujourd'hui être prépondérants dans nos métiers et les métiers de vos partenaires demain. Tu es revenue ? Oui, absolument. Bon. Donc, on a effectivement un vrai auprès des entreprises pour accélérer cette transformation digitale sur laquelle nos clients se retrouvent. Et c'est vraiment maintenant, effectivement, qu'il faut apporter des solutions voilà, pour tous nos partenaires et nos clients, et tous vos clients également. Le point d'après, effectivement, c'est le positionnement de Xerox dans le monde. Aujourd'hui, effectivement, Xerox est présent mondialement auprès de direct et indirect, avec une grosse part de brevets dans notre recherche et développement d'innovation, hein, effectivement, ce qui nous permet aujourd'hui d'être numéro un dans la gestion déléguée des impressions, ainsi que dans sur la scène gamme technologique qui est assez variée et forte, hein, une large gamme technologique, grâce également à des applications, les possibilités données grâce à la sécurité de nos technologies. Donc, Edouard, je te laisse la parole. Merci, Alexandra. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu la partie portefeuille, c'est-à-dire notre portefeuille d'équipement, pour vous ayez un peu une vision assez large de ce qu'on est capable de faire. Une partie application qui, pour nous, est aujourd'hui cruciale dans le modèle économique de Xerox et le modèle économique de vos partenaires, dans le sens où je vais vous montrer comment on va sortir un petit peu du monde et du carcan uniquement du photocopieur et essayer de développer autour de ça un certain nombre d'applications qui vont vous permettre d'apporter des solutions, entre autres sur la partie, on va dire, télétravail, home office. Ensuite, on focusera un petit peu plus sur la partie offre, ce que propose aujourd'hui Xerox en termes de produits sur cette partie-là. Et je voulais vous refaire également un petit point sur la garantie Xerox et les avantages que nous donnons aujourd'hui à l'ensemble de nos partenaires grâce à notre réseau technique bien implanté sur toute la France. Donc voilà, je voulais vous remettre un petit laïus sur le portefeuille d'équipement pour vous montrer qu'on couvre une large gamme aujourd'hui chez Xerox, tant sur la partie impression couleur que la partie impression noir et blanc, A4 et A3. Nous avons également des modèles A3 disponibles pour nos partenaires aujourd'hui. L'ensemble de cette gamme est bien évidemment laser, puisque je le rappelle, Xerox est l'inventeur de la technologie laser, donc c'est exclusivement une gamme laser. Et au travers de ces différents produits, nous offrons un dispositif de garantie à vie, j'y reviendrai un peu plus tard, des cashbacks clients finaux, et on essaie de vous apporter un peu plus de compétitivité en termes de pricing grâce au VBP, que je vous expliquerai tout à l'heure. Et enfin, le développement de nos plateformes au travers de ce qu'on appelle, nous, chez nous, le ConnectKey, qui vont vous permettre d'avoir un certain nombre d'apps autour de nos produits Xerox. Justement, la partie apps, voilà. Aujourd'hui, on le sait, une imprimante ou un multifonction, c'est un copieur, une imprimante, un scanner, un fax. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons au travers de nos différentes plateformes, c'est un environnement que l'on appelle ConnectKey, qui vont vous permettre d'avoir un certain nombre de connecteurs autour de nos produits Xerox. Ces connecteurs
sont différents. Nous avons des connecteurs cloud qui vont vous permettre directement des multifonctions et des imprimantes Xerox de vous connecter au cloud, Dropbox, des applications dédiées sur vos multifonctions qui vont vous permettre, donc j'ai mis quelques exemples, type Easy Converter, qui vont vous permettre de faire de la conversion de documents en Excel, en PDF, en Word, une application type EcoBox, intéressante aujourd'hui dans le monde écologique dans lequel on vit, où vous allez pouvoir avoir une application qui va vous permettre d'avoir directement sur votre multifonction ou votre imprimante la possibilité de commander un carton qui va vous permettre de recycler votre, votre cartouche. J'ai notifié une application qui s'appelle MDRL, qui va vous permettre, au travers de votre multifonction, de traiter directement les lettres commandées, de faire de l'envoi de lettres commandées au travers de votre multifonction. Donc voilà, ça, ce sont des applicatifs que l'on a développés au travers de partenaires et qui vont vous permettre d'avoir une valeur ajoutée sur vos copieurs et multifonctions Xerox. Des connecteurs aussi outils métiers. Vous travaillez essentiellement avec Cegid aujourd'hui pour développer une connexion justement sur les applicatifs Cegid. Et également, je tiens à vous préciser la gestion de l'approvisionnement consommable. Donc, c'est un applicatif dédié au modèle que l'on présente et sur lequel vous êtes éligible pour commander ces produits-là, qui vont vous permettre, comme son nom l'indique, de gérer l'approvisionnement des consommables pour vos partenaires. C'est-à-dire vos clients vont avoir des notifications directement sur leur machine ou au travers de leur PC, leur indiquant que le consommable atteint un niveau bas, et ils vont pouvoir faire de la réapprovisionnement automatique, une passation de commande via mail automatique, via vous, pour faire la commande d'un consommable. Donc voilà l'environnement aujourd'hui ConnectKey, qui vont vous permettre d'avoir un ensemble d'apps qui vont vous permettre et permettre à vos partenaires d'avoir accès aujourd'hui un ensemble de autour, autour de leur multifonction. Les offres, j'indiquais tout à l'heure les offres télétravail. Depuis un an à peu près, nous avons sorti deux gammes de produits compacts qui sont les multifonctions B215. Ce sont des petits multifonctions laser dédiés justement vraiment au home office. Et nous avons un MFP couleur également, qui va également être dédié à cet environnement-là et qui va vous permettre justement d'avoir des offres pour vos clients. Donc ça, ce sont les trois offres phares aujourd'hui que l'on présente et qui sont disponibles chez Ingram. Enfin, je voulais vous parler également de la garantie Xerox. Je tenais à souligner que la garantie Xerox aujourd'hui, c'est quand même 350 techniciens en propre chez Xerox qui interviennent sur toute la France métropolitaine pour dépanner, assurer la maintenance des produits, et que 99% de nos produits aujourd'hui bénéficient d'une maintenance sur site. C'est-à-dire que c'est vraiment le technicien Xerox, suite à un appel qui est déclenché, qui va se déplacer pour assurer la maintenance des produits Xerox. Enfin, je voulais parler également de la garantie à vie, qui est une exclusivité chez Xerox, qui est un dispositif qui va vous permettre, moyennant l'achat d'un jeu de consommable sur les produits couleurs, de pouvoir bénéficier d'une extension de cette garantie d'un an supplémentaire à chaque fois qu'un jeu de consommable va être acheté pour le produit. Dans les 60 jours avant la garantie terminale de la machine. Voilà. Donc ça, ce sont des dispositifs que nous avons mis en place. Et je vous ai parlé également d'un dispositif concernant la partie pricing chez nous. Nous avons mis en place une grille tarifaire qui va vous permettre d'avoir accès très facilement et de manière très flexible auprès d'Ingram. Au lieu d'avoir des cotations, vous allez avoir une tarification en fonction des quantités des produits qui va être dégressive, et cela jusqu'à 50 pièces. Nous avons en fait des tranches par rapport aux produits pour pouvoir bénéficier d'une certaine compétitivité
par rapport aux différents pricing que vous pourriez avoir grâce à Xerox. Voilà, donc j'en ai terminé par rapport à cette présentation. Est-ce que vous auriez des questions à nous soumettre par rapport à cette présentation ? Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. On est disponible sur le stand de Xerox. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et nous pourrions discuter plus amplement sur les différents sujets qui peuvent vous intéresser, tant sur la partie applicatif développée autour des produits Xerox que nos produits intrinsèquement, c'est-à-dire pour voir ensemble les différents produits et les différentes gammes que nous commercialisons et voir comment on peut vous accompagner, sachant que nous avons tout un programme partenaire disponible dans lequel nous accompagnons les différents resellers IT qui veulent s'investir sur notre marque. Voilà, donc nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand. N'hésitez pas, nous sommes disponibles. Merci à tous.